Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Bon, je vais vous présenter le glitch avec le mode réalisateur pour les appartements. Donc vraiment en mode facile, facile. Donc tout le monde va y arriver. Vous allez pouvoir aussi faire des tenues modées. Donc facilement aussi. Donc pour avoir toutes les tenues modées en une seule fois. Hein, pour tous ceux qui débutent, tout ça, vous allez pouvoir vous régaler les gars. J'espère que vous allez en profiter le maximum. Hein, je vous mets toutes les vidéos. Plus vite possible. Donc déjà, je vais vous expliquer le glitch. Duplication d'appartement. Ok? C'est argent immobilier. Donc ça va être simple. Il vous faut à l'emplacement 4, 5, 6 du personnage féminin les appartements les plus chers. D'accord? Donc il faut absolument que ce soit le 4, 5, 6. Donc vous prenez même les prix. Si vous n'avez pas d'argent, vous investissez un petit peu ou dans le 3, ou dans le 4, ou dans le 5. Pas dans le 3, pardon, dans le 4, 5, 6. Et après, avec l'argent, au fur et à mesure, vous achetez les plus chers. Donc le but, c'est d'avoir les 3 appartements les plus chers pour pouvoir les revendre et gagner la différence. Donc sur ce perso, c'est fini. On va plus s'en occuper. On va aller sur le personnage masculin. Donc je vous dis ça, comme ça, vous changerez pas et vous pourrez faire vos tenues. D'accord? Parce que c'est le féminin qui transfère sur le masculin les tenues. Donc il vaut mieux que vous procédiez dans l'ordre. Au moins, vous n'avez pas d'argent. Donc là, je vais aller sur le personnage masculin. Et on va faire l'inverse. Donc le 4, 5, 6, on achètera les garages les moins chers. Donc vous inquiétez pas, si vous avez 10 voitures dedans, vous ne les perdez pas. Donc achetez des garages 2 places à 20 000. Vous ne perdrez pas vos véhicules. Voilà. Donc vous inquiétez pas, à la fin je vous montrerai mes tenues modées que je vous ai mis sur Facebook. Donc Glitch Fun sur Facebook, venez voir les tenues modées, voir avant la vidéo. Bon, vraiment, le glitch, il a été simplifié. En gros, vous allez gagner 10 millions à l'heure. Voilà. Sans fail, sans rien. Tout le monde pourra le réussir. Donc, sur Xbox, sur PS4, sur PC. Et c'est de l'argent direct dans vos comptes. Sur les PC, vous allez pouvoir bien en profiter, je pense. Bon, le glitch, il a déjà 2 ou 3 jours. Donc, je ne sais pas s'il va durer encore longtemps. Profitez-en, les gars. Vous avez toute la journée pour le faire. Au moins jusqu'à ce soir, je pense. Donc, sur ce joueur, on va acheter à l'emplacement 4, 5, 6. Les garages les moins chers à 25 000. Donc, ils font à peu près. Et donc, on va faire le glitch. Et quand on va revenir sur ce joueur, ils auront les appartements chers. En fait, on va photocopier le prix des appartements de la fille sur le garçon. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu le système. Donc, vous voyez, 4, 5, 6. Pas les autres, hein. C'est que ceux-là qui pourront faire le bug. D'accord? Donc, au pire, vous achetez que des appartements bidons. Et encore plus bidon sur le 4, 5, 6. Comme ça, vous aurez encore plus de différence. Allez, maintenant, on va en mode histoire. Donc, du mode histoire, n'allez pas direct à la caravane parce que vous allez tomber sur le braquage. Si vous tombez sur le braquage, vous attendez un petit peu, vous ferez pareil, vous ferez option. Jeu chargé. Donc il faudra charger une sauvegarde de l'histoire, du mode histoire. Ce que je vais faire maintenant, donc ça m'évitera de faire un chargement pourri. Là je fais option. Chargé. Et là, vous chargez une sauvegarde que vous avez fait online. Donc, celle du haut, je conseille.
Après, je vous expliquerai que si vous n'arrivez pas à faire le timing pour vous suivre, vous savez, que tout le temps ça vous tue, il vous faudra changer la sauvegarde. Voilà, ou vous en créez une, ou vous en sauvegardez une autre, ou voilà. Essayez de changer là. Ça sera à cause de la sauvegarde de votre mode histoire qui est pas bonne et vous n'arriverez pas à vous bugger. Donc le glitch, il est très facile. Il y a juste un petit timing à avoir. Il est super facile. Les gars, profitez-en. C'est le meilleur glitch qu'il y a sur GTA Online. Voilà. Donc, ne le ratez pas, celui-là. Enrichissez-vous. Voilà, vous y mettez. C'est 10 fois mieux que les duplications. Donc l'argent, il ira dans vos activités. C'est moins risqué que la duplication de véhicules. Après, si vous voulez remplir vos garages de duplications, j'ai encore 2 ou 3 glitches qui sont disponibles en duplication de Lowrider. D'accord? Facile à faire aussi. Donc là, c'est un glitch solo, profitez-en. Vous avez besoin de personne, vous mettez en groupe, vous aidez vos collègues et vous le faites. Donc là, maintenant, je retourne en histoire. Vous ouvrez votre pavé tactile. Vous allez en mode de réalisateur. On va se rejoindre à la caravane. Fois que vous êtes à la caravane, vous voyez, je mets balles explosives. Voilà, le reste, après, ne le faites pas la nuit, mais bon. Vous n'avez rien d'autre à changer et là vous allez au mode réalisateur. Donc le timing ça va être maintenant les gars. Voilà. Si vous réussissez ça, vous avez réussi toute la manipulation. Donc là je vais prendre mon pistolet. Je vais viser par terre, pas trop près, pas trop loin de moi. Essayez de voir ça. Donc vous voyez, j'ai des balles explosives. Donc là, je vise par terre. Je vais rester appuyé sur Option. Donc c'est le menu Start. Je vais tirer et je lâche Option en même temps. D'accord? Il faudra avoir un aim de fou quand même. Hein. Au début, ça va pas être évident. Vous voyez là, mon menu Start, il n'est pas sorti. Mais bon, d'abord vous tirez, après vous faites Start. Vous le faites quasiment en même temps. Donc à force, vous allez avoir votre timing. Alors il vous faudra pour ce timing-là, pour être sûr de réussir, il vous faudra que vous entendiez comme un petit pchit. Votre menu qui s'ouvre et une grosse boule de feu. Vous allez voir quand je vais le réussir. Donc là, je suis appuyé sur Option, je tire et je lâche. Voilà, nickel. Regardez cette boule de feu. Vous aurez entendu le pchit et vous aurez cette boule de feu. Une fois que vous avez ça, vous allez à Online et vous allez à Choisir joueur. Donc ce message, vous l'acceptez. Et là aussi, il va avoir un petit timing, mais bon, il est trop facile. Donc retenez bien. Là, je vais choisir le joueur qui a les appartements chers. Donc c'est la fille. Ok. Voilà, dès que la fille elle, vous allez appuyer sur rond. Vous allez entendre un tic. Déjà, si vous entendez un tic, c'est par rapport à un menu, ça veut dire que vous avez réussi, vous êtes bien buggé. Vous avez fait rond. On va attendre d'être dans le ciel. Voilà, là maintenant, vous faites 2 fois flèche du haut, X. Ça va vous mettre ce menu-là. Donc vous, si vous voulez quitter le mode réalisateur, vous l'acceptez ce message. Vous dites oui. Les gars, abonnez-vous, un petit pouce bleu, allez soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui soutiennent, qui nous donnent les petits bugs, parce que c'est quasiment une chaîne communautaire. Voilà. Tous les abonnés, ils aident la chaîne à évoluer, à avoir les glitches en temps et en heure. Gros merci à eux, ils se reconnaîtront tous.
Donc là, on va attendre un peu le menu infini et on aura un message. Et ce message-là, vous allez l'accepter aussi. Donc les gars, dès qu'elle est prête, je vous mets la vidéo pour faire les tenues modées. Donc ça sera le même glitch. Il y aura juste une petite manipulation à faire entre le personnage féminin et le personnage masculin. Je vous mets la vidéo dans la description dès qu'elle est prête. Ou sinon, passez-la voir sur la chaîne. J'en ai fait une déjà pour expliquer. Je vais vous en faire une encore mieux. Mieux expliquée, plus propre. Mais sinon, vous l'avez déjà. Donc vous avez besoin d'attendre. Dès que vous avez ce message, vous pouvez faire vos tenues modées en même temps que vous faites le glitch. Voilà. Donc vous aurez accès à toutes les tenues modées. Pire, il vous suffit d'aller sur internet, vous cherchez les habits féminins pour faire tenue et vous faites le glitch. Voilà. Ultra facile. Vous pouvez avoir 9 tenues modées en une fois. Là, vous acceptez le message, les gars. Ça va nous amener en mode histoire. Nickel. Et une fois que vous êtes en histoire, on va retourner en mode online. Vendre les 3 derniers appartements qui sont devenus au prix des appartements chers. Donc il faudra que je rachète les appartements à 25 000. Les appartements chers avec des garages à 25 000. Voilà. Les gars, je compte sur vous pour aller autour de vous. Voilà. Je sais que vous jouez en communauté. Parlez-en à vos potos. Vous dites, oh, Fouedji, il a des vidéos. Vas-y, abonne-toi. Va voir déjà ce glitch. Enrichis-toi. Voilà. Comme ça, si vous voulez faire la guerre ou quoi, vous aurez de quoi faire. Hein. Moi, je vous le dis, avec des glitches comme ça, c'est pas tous les jours qu'il y en a. Hein. Donc, profitez-en. J'aimerais que le maximum, il puisse le faire. Voilà. Parce que c'est bien beau, mais on a des limites. Là, vous avez rien, vous n'avez pas de risque d'être bannissement. Donc ça, c'est le glitch à rester dessus et le faire jusqu'à temps qu'il soit patché. Allez, c'est parti. Là, on va vendre les appartements chers. Donc, je reprends comme tout à l'heure des gages pas chers. Pour vendre des appartements. Et je vais gagner la différence. Donc, ce qui représente environ 1 400 000, 1 500 000. Les gars, 10 millions en 1 heure. Et encore, c'est à la vitesse que je vous montre, hein. Donc vous pouvez faire même un peu plus. Il n'y a pas de glitch rentable et facile. Donc voilà, le glitch des appartements, c'est la troisième ou quatrième fois qu'il existe. Là, vous avez zéro fail. C'est celui qui rentabilise le plus depuis le tout début. Voilà. Donc, j'insiste. Ne le lâchez pas celui-là. Voilà, une fois que vous avez vos 3 apparts, il vous suffit d'aller en histoire et je vais vous remontrer encore une fois la manip. Allez, c'est parti. Vous êtes ici, comme tout à l'heure, vous faites option, jeu, charger, et vous chargez une sauvegarde du mode histoire. Sinon, vous allez vous retrouver dans le braquage. Si vous vous retrouvez dans le braquage par erreur, vous attendez un petit peu, après vous faites option et vous faites pareil. Jeu, charger, vous chargez.
une sauvegarde du mode histoire. Une fois que vous êtes en histoire, là, vous ouvrez votre menu et vous lancez le mode réalisateur. Vous allez à la caravane. Fois la caravane, vous allez dans paramètres. Vous mettez balle explosive, vous faites rond et vous lancez le mode réalisateur. Après, pareil, il va vous falloir avoir ce petit timing de la boule de feu. Ben après, vous allez le réussir à tous les coups. C'est vraiment pas difficile. Mais ne vous manquez pas ici, partez pas d'ici si vous n'avez pas bien fait le bug. Parce que vous allez foirer et vous allez perdre du temps. Donc si jamais la balle elle est pas assez sortie du canon, il faut qu'elle soit au sol, hein. Si vous avez que le feu au canon, vous n'allez pas dire. Voilà. Ça sert à rien, vous allez perdre du temps si vous foirez. Donc là, il faut rester appuyé sur option, vous tirez et en même temps, vous lâchez option. Vous allez entendre un pchit et ensuite le menu qui s'ouvre et vous verrez une grosse boule de feu. Donc regardez bien au moment où je réussis comment ça se passe. Là, vous voyez cette boule de feu? Ensuite, vous allez en ligne. Changer personnage, choisir personnage. Une fois qu'on a choisi personnage, qu'on l'a cliqué, qu'il marche un peu, vous allez faire rond. Et après, vous allez attendre d'être dans les airs. Deux fois flèche du haut, X. Très très facile, les gars. Donc j'espère que dans les commentaires aussi, vous allez me mettre combien vous avez gagné avec ce glitch. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on vous fait gagner des grosses sommes. Là, vous faites rond. Hop, vous allez entendre un tic. Parce que vous, en fait, vous avez un menu invisible là. Et là, vous faites deux fois flèche du haut, X. Vous aurez ce menu, ce message d'alerte. Vous l'acceptez. Et là, on va attendre l'autre message d'alerte qu'on acceptera aussi. Et qui va nous mettre en mode histoire.
Allez, une fois qu'on a le menu, celui-là on l'accepte. Et on sera mis en histoire et on n'aura plus qu'à aller en online vendre les tomates. Ah, je revends mes apparts. Je vous remontre une autre manip pour finir, les gars. Donc, j'espère que ce glitch vous a plu. Je vous fais une grosse bise à tout le monde. Je vous dis à bientôt, les potos. Ciao, ciao.